passé Mamadou et Binetra. Que sont-ils devenus? L'école qui était destinée à mouler l'homme pour servir la nation a perdu le contrôle. À cause de certains aventurés enseignants et on t'a fait heureux. À qui la faute? Est-ce qu'on la wenge? Mon métier m'y pendait, ton djende. Est-ce qu'on la wenge? Mamadou et Binetra. Que sont-ils devenus? L'école qui était destinée à mon énorme pour servir la nation a perdu le contrôle. À cause de certains aventuriers enseignants et on a fait heureux. À qui la faute? L'école qui était destinée à mouler l'homme pour servir la nation a perdu le contrôle. À cause de certains aventurés enseignants et on t'a fait de feu. À qui la faute? Thank you.
a perdu le contrôle à cause de ses désaventurés enseignants. Et on a fait heureux à qui la quoi? Monsieur, où est-ce que nous surprendre? Ben tant pis, tous les professeurs sont en train de faire cours. Pourquoi tu me coupes l'appétit? Je n'en ai plus envie. Et pourtant, je t'ai vu intéressée tout à l'heure. Du coup, c'est parti. Pourquoi? Tu ne te sens pas bien? Si, je n'ai aucun problème. Mais j'ai pensé à ta femme. Ma femme? Et qu'est-ce qu'elle a à y voir? Hier était la troisième fois qu'on se rencontre et elle me menace du regard. Patou m'a dit que ses parents sont dans un choc élastique. Ah oui, chez eux c'est chaud, mais ils doivent laver le linge sale en famille. Ok. Alors, le négociateur, où en es-tu avec le dossier Fried? Mais je vois que tu as abandonné. Bien sûr, puisque tu m'as traité de mou, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Mais qu'est-ce que tu ne fais que guetter là depuis? Je regarde si Patou arrive. Vraiment, ton degré d'obsession m'intéresse. Finalement, tu ne peux rien sans Patou. Toi, tu peux. J'espère qu'en rien, tu as fait tes devoirs de maths. Depuis hier, mon cher. Cool. Je vais tout simplement recopier. Passe-moi ton cas, s'il te plaît. Charline, je n'ai pas bien suivi ce que tu disais l'autre jour. Moi? Donc vous me voyez?
Mais bien sûr, c'est toi qui me tiens à distance. Tu me traites comme si j'étais d'office un condamné à perpétuité. Non, vous exagérez à mon endroit. Comment ça j'exagère? Même le ciel peut me témoigner, Charlene. Bien sûr. Il peut témoigner que vous avez déjà de la boulimie sexuelle. Comment tu peux tenir de tels propos, Charlene? Pourtant, moi, je suis quelqu'un de sincère, quelqu'un d'honnête. C'est vrai qu'avant, j'avais ces multiples filles que je fréquentais. Mais maintenant, vous en avez plus qu'il en faut. Charlene, s'il te plaît, écoute-moi. J'ai une seule copine. Je dis bien une seule. Et nous sommes en voie de séparation. C'est d'ailleurs sur toi que reposent tous mes espoirs désormais. Je n'en suis pas si sûre. Après mes recherches, je saurai quoi vous dire. Ciao. Dis-moi ma puce, pourquoi tu t'intéresses de moins en moins aux journaux? Ces presses sont corrompues à 90%. Je pense qu'elles ont un rôle bien pensé. Que veut dire un rôle bien pensé? Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais j'ai l'impression que ces journalistes ont vendu leur conscience pour de l'argent. Ils ne sont là que pour égarer les gens. Je préfère lire des bouquins qui vont m'aider à me développer personnellement. C'est pourquoi tu aimes lire les livres de Cheikh Hamidou Ken ou alors Louise Lay. Ah, les discours de Sankara aussi sont bien édifiants. Tu sais quoi? J'ai toujours dit que tu n'es pas de ce siècle. Ah, laisse tomber. Dis-moi, après, quel est ton programme tout à l'heure? Je vais me rendre à la discothèque de Cheikh Ata Diop. Quoi? Au Sénégal? Non, arrête. Là en ville. Attends, tu sais pas qu'il y a une discothèque là en ville dénommée Cheikh Ata Diop? Je suis plus qu'une campagnarde en matière de culture. Tu es folle, toi.